Le loup, le mouton et les légumes. On va commencer par le loup, comme ça il pourra manger personne. Go? Oh non, mais le mouton, il mange les légumes, mais fais un effort, frérot! C'est pareil, on va commencer par le mouton. Allez, mouton, passe de l'autre côté. Voilà, super. On revient chercher le reste. Alors, si on ramène le loup, il va bouffer le mouton, logique. Et si on ramène la graille, le mouton. Eh, le mouton, il t'a pas intérêt de manger les légumes. Hein. Ok, on pose les légumes. Oh, parfait! Mais il a mangé les légumes! Il y a toujours une solution. On amène le mouton là-bas. Ok, mouton, reste là-bas. Vu que le mouton, il a mangé la. Si, mais vas-y, on va ramener le loup pour voir. Ah, vas-y, loup va. Il va manger le mouton, c'est sûr. Non, il l'a pas mangé? Ah, si. Ah, c'est vraiment super compliqué. J'ai besoin de votre aide. Attendez, si je ramène les légumes en premier. Bah ouais, le loup, il mange le mouton. Logique, y a plus le pêcheur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je suis persuadé que les gars, faut commencer par le mouton. Vas-y, mouton, va de l'autre côté. On revient. Si je ramène le loup, il va le bouffer. Mouton, s'il te plaît, ne mange pas les légumes. Le mouton, s'il te plaît, ne mange pas les légumes. Sinon, le loup va te bouffer. Ah, je comprends pas. Faut que vous m'aidiez, les gars, j'ai pas compris.